Que vous fassiez beaucoup, beaucoup de bruit pour Elie Semoun. Ouais. Ça va, mon Elie, bienvenue. Et je précise qu'il y a quand même un mec qui, qui les force à faire ça. Mais c'est pas qu'il les force. Naturellement. Et quand t'es rentré. T'as vu quand t'es rentré? Quand t'es rentré, c'est naturel, c'est vrai. Alors excuse-toi tout de suite. Non, alors, cher public, je m'excuse. J'ai un public nombreux, il y a au moins 350 personnes. Ouais, voilà. Encore. Ils sont, ouais. Non, voilà. Alors excusez-moi, voilà, c'est mon côté artiste. T'as vu, hein? Le mec qui doute, est-ce qu'il est aimé, est-ce qu'il n'est pas aimé, est-ce qu'on force les gens à. Mais là, ça va, je suis rassuré. Ça va? T'es bien? Très bien. T'aimes tous? Ouais. Très bien. Et je vais dire même un détail qui va vous choquer, je bande. Bah, ça ne nous choque pas, ça nous montre que tu es en bonne santé. Voilà, tout à fait. Parce que bander, c'est la vie, comme dirait Jacques Séguéla. Tu vois, c'est ça. Ça va, Julie? Oui, ça va bien. Alors, écoute, depuis qu'il bande, je suis heureuse. Hein. C'est gênant. Tourner vers toi. Ouais. Mais Julie, allez, ouais, tu suffit que tu lui dises ça, c'est la fille la plus heureuse. C'est le meilleur des compliments que tu puisses lui faire à Julie. Je bande. Arrêtez, c'est bien. Non, mais j'essaye d'amener un petit peu de romantisme. Oui, bien sûr. Pour elle, c'est supérieur à un je t'aime. Ah oui, oui, oui. C'est largement au-dessus. Non. Si un mec vient de brancher en boîte et qui fait bonjour, je bande. Ah ben bah je lui mets une claque. Ah non, 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 arrête, mais sois honnête. Et si en plus il a un gros bazar, mais dis pas de Judy, enfin bon, il faut être équipé. Ah bah là. Non, non, mais en plus, bon, faut être équipé au-dessus de la moyenne, on n'a aucune chance, non, ni toi, y a, ni moi. Il n'y a aucun problème. Ni même c'est improuvable, vous êtes obligé de me croire sur parole. Mais... Ouais, non, mais bref, bon. Je ne sais pas pourquoi on est allé sur ce sujet. Oui, je suis désolé. C'est vrai, pourquoi vous emmenez là-dedans, mais je sais pas. C'est honteux, quoi. L'âge de glace, les lois de l'univers, cinquième volet. Ouais. Alors, attention, certains disent qu'il pourrait être le dernier. Oula, oh my god. Ah, qui? Bah, je sais pas, j'ai lu le truc en disant qui pourrait être le dernier. Ah, non. Des trucs. Ah non, non, non. Vous l'avez vu. Il pense à la suite, il fait arrêtez. J'ai des cerisiers à acheter. Voilà. Attends. Non, mais est-ce que tu l'as vu? Non, j'ai pas pu, moi. Ah, d'accord. L'équipe devait. Ok, bon. Comment il y a un message sur l'équipe? Ah, bah oui, moi je pouvais pas. Non, mais le 5 est vachement bien. Hein. J'ai aucun. Enfin, je veux dire, j'ai pas de pourcentage sur rien du tout. Enfin, je veux dire, j'aimerais bien. Hein, ce que... Mais c'est vrai que souvent, quand mais t'es un dessin animé, premier est bien. Deuxième, tu fais. Et bah, troisième, tu fais. Glace, et bah, l'âge de glace, je vais être honnête avec vous, c'est pas le cas. J'ai tout ce qu'il fait. Ils sont tous bien. J'ai appris que les Shrek, ils se sont arrêtés à 4 et l'âge de glace, ils vont à 5. C'est la première fois que ça va aussi loin. Bah, voilà, et pour l'avoir doublé, pour l'avoir vu. Il y a Madagascar qui a été loin aussi, non? Il y en a eu 3 ou 4 aussi. Pas tant que ça. Après, ils ont fait des petits trucs à droite à gauche. Mais bon. C'est très bien. Franchement. T'as pris du plaisir. Est-ce que je trouve que la voix de Sid est parfaitement interprétée par Elie Semoun. Mais celui qui le fait a un talent. Bon, tiens, justement, regarde, il y a William qui voulait te faire un bisou là-dessus. Ça va, William? Ouais, bonjour. Salut, mon gars, t'es en forme dans le 91? Ouais, ça va et vous? Elie, William, salut, ça va William, bien. William, ça va. Elie. Enchanté, ça me fait super plaisir d'être en ligne avec vous tous. C'est où le 91? Enfin, je veux dire, c'est quoi? En Essonne. Comment? Bondoufle. En Essonne, région parisienne. Non, je sais, mais la ville. Bondoufle. Ah, c'est Montlhéry. Montlhéry. Oh, t'es allé loin, ouais. Je connais, moi. Ah, d'accord. Atis-Mons, okay. C'est pas là-bas? Non, c'est pas vers Atis-Mons, c'est vers Montlhéry, je sais pas si vous connaissez les Atis-Mons, c'est dans le 91. J'habitais à Antony, dans le 92, et enfin, moi, c'est plus le fin fond de la campagne dans le 91, en fait. Le reste, ils s'en foutent. Ah, ils s'en foutent, d'accord. Mais Bondoufle, c'est bien dans le 91. Oui, mais c'est grand, 91. Ouais, Bondoufle, c'est dans le 91. J'adore cette ville. Bondoufle. 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 Ça va bien. Allez, pose ta question, mon pote. Bon, j'avais quelques petites questions, en fait. Donc, tu as doublé plusieurs personnages dans beaucoup de films d'animation. Oui. Et quel est le personnage qui a été le plus difficile à doubler et quel a été le plus facile? Alors, le plus facile... C'est vrai que t'en as fait une tripotée, toi. Ah ouais, j'en ai fait plein, mais t'en as fait aussi. Et Garfield. Voilà, ouais, ouais. Il en a fait qu'un, en final. Hein. Mais moi, ils en font pas, par contre. Ils en ont fait que deux. Ouais, tu vois, il y a une justice. Hein. Et le deuxième, c'est pas vrai qu'il a doublé le deuxième, en plus. Hein? Le si, deuxième, si, si, j'ai fait les deux. Ah ouais, écoute, l'âge de glace, j'ai trouvé ça... Enfin, la voix de Sid, j'ai adoré la faire. Et dès que j'ai trouvé cette voix... ça a été facile. Et même entre une fois que même quand t'avais fait le premier, il y a eu du temps. On t'invite, on te dit le deuxième sort, tu l'as retrouvé tout de suite. On retrouve la voix. C'est comme des vieux habits, voilà. Mais du vieux coup, slip. Qui la trouve la voix? C'est toi ou on te dit alors, il faut qu'il parle un peu comme bah, ça? J'ai entendu à part ce la voix, qu'a fait américaine, j'imagine. J'entendais ce qu'a fait l'acteur américain. Ils zozotaient moins que moi. Ouais. Puis de toute façon, c'est pas pareil, ils ont pas la même musique de tu sais, les Anglais, si on pouvait traduire le langage français en musique ou italien ou américain, c'est pas pareil. Hein. C'est pas pareil, donc je l'ai francisé et je l'ai sémounisé. C'est qui la version américaine? C'est qui le fait? Alors, il faut que je demande à Alexis de la Fox. Comment? Ray Romano. Ray Romano. Qu'est-ce qu'il a fait, ce gars? Acteur porno, Romano. Ça, non? Ray Romano. Ouais, ça. On va regarder sur internet. Trouvez-moi ce qu'a fait Monsieur Romano, s'il vous plaît. Il gâtait sur le coup. Hein. D'accord. Bon, ben voilà. Et donc, qu'est-ce que ça fait d'autre après? Alors, j'ai fait Robots. Ouais.
Voilà, j'ai fait... j'en ai fait plein, mais il faudrait... J'ai pas la liste, pardon. Le Manège Enchanté. Oui, c'est vrai, je me souviens. Astérix de Alexandre Astier. Un truc qui s'appelle Les Coquilles, avec, j'ai fait ça avec Bruno Salomon, qui va passer sur France 3. Qu'est-ce qui était drôle, le Astérix, le dessin animé? Le Astérix était très bien. Ouais, ouais, drôle. C'est le domaine des dieux, c'est ouais, ça? Exactement. Vous l'avez pas vu en dessin animé? Si, mais il est énorme. C'est-à-dire, tu regardes un dessin animé, mais c'est en mode Astier. Et franchement, c'est, voilà. c'est super drôle. Ouais, c'est alors, qu'est-ce qu'il a fait, monsieur? Il a fait que L'Âge de Glace, hein, visiblement. Il y a des films, j'ai jamais entendu parler. Là, il a fait Vinyle qui va sortir. Ah ouais. Voilà, le voyage extraordinaire de Samy, ça c'est ce que j'ai fait. Le petit monde de Charlotte, ah oui j'en ai fait plein. Voilà. Il y en a plein. Hein. Voilà, j'en ai fait plein. Mais il a pas de problème Paulus, de mémoire, hein, tout va bien. C'est juste que bon. Pocahontas, oui mais non, ben voilà. Ah. T'as fait Pocahontas? Ouais. Et c'était lui Pocahontas. Bisous mon William, je t'embrasse. Elie Semoun est notre invité, restez là, il y aura Walter qui a des questions à poser dans deux minutes et vous tous en bien. Coé, 19h-22h sur Énergie. Elie Semoun est notre invité. Le film, un film énergie, sort le 13 juillet. Oui. Et vu le temps pourri, hein, qu'on va tout savoir, ça va cartonner au cinéma. L'âge de glace, les lois de l'univers, en tout cas le tout nouveau. Et j'aime bien que tu fais le personnage. Il y a toujours Gérard, il y a toujours Lanvin et Cassel. Hein. Il y a Lanvin, il y a Cassel. Ouais, ils sont toujours là. Cassel fait le tigre. Je me demande pourquoi on m'a pas donné. On me donne toujours. C'est bizarre. Hein. Diego, pourtant, on a à peu près le même gabarit, enfin le même physique, le même timbre de voix. Étonnant. Vous arrivez à vous croiser ou chacun fait sa voix dans son coin? Alors on fait chacun notre voix dans nos coins. Ouais, c'est frustrant. On se voit dans la vie. Mais on ne se voit pas dans le cadre du boulot parce que tu as fait du doublage, tu sais comment ça se passe. Ah, je vois personne. Quand tu as un personnage important, tu fais toutes tes boucles en fait. Ouais. Et chacun vient faire sa voix. Et je crois que c'est un problème technique. S'il y en a un qui se plante, on est obligé de recommencer. Donc, C'est vrai que tu vois pas les gens. C'est tout seul, mais c'est frustrant. Enfin, ouais. Oui. Voici l'âge de glace, le test. Julie, on va commencer par toi, puisque Julie a frimé il y a deux minutes en disant « J'ai vu tous les âges de glace oui. ». Ah là là, non, mais non. Ah, on est d'accord, vous on l'avez entendu d'accord. comme moi en antenne. Oui. Ellie est à peine arrivée, elle a fait « J'ai vu tous les âges de glace ». Tout de suite, elle se place à chaque fois. Hein. Tout de suite, elle se place. Ouais, mais non, en fait. Alors, le principe, Julie, tu vas kiffer. Voici une collerette que l'on va te mettre. Pourquoi c'est moi qui commence? Franchement, parce que tu les connais gars, tous les âges de glace, ça va aller très vite. On te met une petite collerette remplie de glace. Le principe est simple. Plus tu réponds vite, plus tu passes à ton voisin qui sera piètre. Oh, putain. Plus tu mets de temps à répondre, plus tu le gardes. Ah, elle avait pris une vraie collerette pour chien, là. Ah oui, d'accord. Ah oui, elle a servi à un vieux labrador pourri qui était dans la rue, Julie. On l'a pris, voilà, tu vois, c'est un truc, ça marche bien. Ça marche bien. C'est généralement quand ton chien, tu viens de l'opérer, il a ça parce que sinon il se gratte, il se fait parabole. Vous faites de la radio. Eh, mais nous, dans les. Il y a un milliard, cent millions. De vues, ah ouais, bon, ça va, j'ai rien dit. Il y a un moment donné, c'est grâce à ça, c'est grâce à Julie qui reçoit la TNT avec sa collerette. Voilà. Et pendant comme c'est long à faire, mets lui des questions dures. Pendant qu'on l'installe, Walter, pose ta question, mon pote. Alors, j'ai une question qui n'a rien à voir avec la géoglace, mais qu'est-ce qui t'a inspiré pour créer le personnage de Toufik? Ça ah, Toufik, donc Toufik, la région de la cité des Bois Fleuris. En fait, j'ai vécu dans une cité, comme je disais au jeune homme du 91. Moi, je suis d'Antony et j'habitais dans une cité qui s'appelait la cité des Bas Graviers. Et j'avais un Toufik, forcément, j'en avais plusieurs hein, dans ma cité. Et j'en avais un, c'était mon voisin, et voilà, il parlait comme ça et tout. Voilà, c'était déjà une racaille. Il était la racaille des Bras Graviers et il m'a inspiré. Il a inspiré Dieudo aussi. On avait fait une émission qui s'appelait Une certaine idée de la France. Où on avait un sketch qui s'appelait La banlieue et on faisait deux Toufik et c'est comme ça que c'est né. Après, voilà. Toi, je te sentais pas trop Kaira à l'école. Toi, tu devais être calme, Ellie. Je te sens calme. Non, j'étais pas calme du tout. Non. Tu as une très mauvaise image. T'es sérieux? Ah ouais. Non. Mais en quoi? J'étais un voyou, mais voyou fourbe. Pas... Ouais, fourbe. Un voyou vicieux. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, je faisais style... Les profs m'aimaient bien parce que j'étais en... C'est ridicule. Julie a sa collerette. Parce que j'étais un peu artiste, un peu... Ma mère était prof de français, blachin. Donc dans le même lycée en fait... Non, dans un autre. Donc ça me permettait un peu de passer entre les gouttes. Mais non, j'ai fait des bêtises. Je te fais un gros bisou, camarade. Attention, Ellie, voici les questions âge de glace. Tu as certainement les réponses, mais tu n'aides pas. Vous êtes des ordures, regarde ce que tu fais. Non, mais on se croirait chez Hanouna, là, c'est pas possible. Non, Hanouna, il n'y a pas pensé, tu l'auras dans deux semaines chez Hanouna. Oui, c'est ça. Laisse-lui le temps de le faire et après, c'est repris ailleurs. Mais non, moi, ce que je propose, ce sera avec un lance-flamme. Parce que ce serait plus efficace. Lance-flamme. Lance-flamme. Bon, écoute, pour l'instant, c'est l'âge de glace. Ouais, Julie, écoute-moi bien. Oui.
Je pose des questions. On va te mettre à la glace. Je pose la question. Si tu n'as pas la réponse, je poserai une autre question ainsi de suite. Si jamais tu as la bonne réponse, tout de suite, tu transvases dans celui de Pietre. Ah non, c'est tannasse de transvaser en lumière. Oui, mais comment tu vas faire? Faut bien que tu les passes dans l'autre. Oui, mais ils ont d'autres saladiers. On y va. Discours, hein. Allez, Julie, on y va. Ça risque d'être un petit peu froid. Ça va crier. Ah, les gars. Ça va gueuler. C'est horrible. Julie, on y va. C'est horrible. Je crois que tu mouilles, Julie. Julie, comment s'appelle le tigre à dents de sabre? Vanny. Comment? Vanny. Non, pas du tout. Ça, c'est le mammouth. Oui, ça y est, elle a raison. C'est Diego. Elle a raison, Diego. Trop tard, je continue. Après quoi... Non, elle a pas dit. Elle continue. Après quoi court l'écureuil? La noisette. C'est un gland. Julie, comment s'appelait l'âge de glace 4? De quoi? J'ai pas entendu. L'âge de glace 4, comment il s'appelait? Putain, c'est dur, c'est horrible. La D. C'est facile pourtant. La D. La quoi? C'est bon pour la peau. La débandade. La dérive. D. La dérive. La dérive. Con. Arrête, c'est froid. Mais tu l'as pas vu. La dérive de quoi? Continent. On continue. Il y a quelqu'un qui va jouer, c'est Julie. Oh la pauvre, c'est horrible. Qui est à l'origine de chaque épisode? T'es pas noyé là. Bien joué, tu passes à Pietre. Allez Pietre, attention. Pietre, tu mets ça là. Voilà. Voilà, vous mettez le reste sur Pietre. On y va. Droit. Ah, ça coule partout. Ah, ça coule. Pietre, question. L'enfer, c'est horrible. Pietre, ma peau. Comment s'appelle l'âge de glace au Québec? L'âge de glace. L'air de glace. Ah putain, c'est froid. Qui est la voix française de Diego? Vincent Cassel. Bonne réponse, ouais, tu passes à Stouff. Viens là. Allez Stouff. Allez, on y va. Et mettez tout pour Stouff, parce qu'elle est résistante, hein, elle a vécu au Québec. Ça doit être horrible. Tu mets dans le dos, derrière. C'est horrible. Ouais, derrière la tête. Oh les salauds, regarde, ils leur mettent tout un bol. Stouff, Stouff, attention, non, tiens droit. Voici ma question, on y va. En quelle année est sorti l'âge de glace 2? Je sais pas, 2011. Non, c'était 2002. Oh putain. Quelle est la date de sortie de l'âge de glace 5? Je viens de le dire tout à l'heure. 2016. C'est le 13 juillet 2016. Ouais, ouais. Qui sont les deux réalisateurs de l'âge de glace? Mais non. Je l'ai dit, la bonne réponse, merde. Mais non. Chris Wedge et Carlos Santana. Le premier âge de glace se déroule il y a combien d'années, Stouff? C'est un record, les gars. Putain, je suis merde. Non, c'est pas ça. Combien? Va se vomir dessus. 20 000 ans. Tu te rends pas compte. Quel est le titre américain de l'âge de glace? Age of Places. Oh là là, elle est nulle, c'est une course. Eh bien, on la laisse comme ça. Ellie, en tout cas, tu restes avec nous pour la suite. Ah non, moi je participe pas à ce truc-là. Bon, alors, libérez-la. Délivrez-la. Libérez. Ça, c'est une autre truc de glace. Oui. Ah non, faut se couiller en fait. Dernière question, et c'est Ellie qui peut te libérer. Ouais, je vais essayer de te sauver. Ellie. Putain. Vas-y. Tu es concentré, Ellie? Ouais. Tu es vraiment concentré? Ouais. Ellie. Oui. Quel genre d'animal? Ça fait mal, ça brûle en plus. Et Sid? Un paresseux. Libérez-la. Ah, j'ai jamais vu. C'est bon, vous pouvez la libérer. C'est un paresseux, c'est bien joué. Restez avec nous. Ellie, c'est vous, notre invité. Dans un instant, le public, je vais avoir une bonne surprise pour vous. Écoutez-moi bien, dans un instant, il y aura un cadeau de ouf à gagner pour le public. Il y aura quelqu'un qui repartira avec une PS4 pour la sortie du film. L'un d'entre vous repartira directement avec sa PS4. Vous voulez savoir comment? Restez avec nous, vous le saurez. L'âge de glace, les lois de l'univers, Ellie Semoun est notre invitée. Ellie, l'histoire de celui-là en deux mots, c'est encore le Scrat qui fout le bordel. Alors, en fait, le Scrat court après son gland, hein, comme tous les... Ah, tu vois que c'était un gland. Comme Julie, hein. T'avais dit noisette, c'est vrai. Donc, il fait des conneries, tu vois, et il détourne un astéroïde qui va s'éclater sur la Terre. Et il faut absolument qu'il détourne l'astéroïde de la Terre, sinon ils meurent tous. Donc, ils vont trouver un moyen très malin de le détourner. Et ça fait l'objet de... Mais il y a aussi une histoire d'amour, c'est-à-dire que Sid va tomber amoureux. Il se met sur une application et en fait il tombe amoureux de la nana, ça dure 17 minutes, il se fait jeter. Après il y a le couple de mammouth, Manny et Ellie, qui marient leur fille. Enfin, il y a plein d'histoires. Il y a un nouveau personnage qui s'appelle le Shangri-Lama. Shangri-Lama, voilà.
qui est un personnage génial, une sorte de chef de secte et tout. Non, il y a plein de nouveaux personnages qui sont très très drôles. Le 13 juillet, allez voir partout. Très très drôle. On va y aller, camarade. Teddy, ouais. Petite question, Teddy. Salut Koé, salut Nelly. Salut Nelly, à toi. Alors ma question c'était, avec quel grand acteur aimerais-tu jouer au cinéma, tu veux dire? Ouais, c'est ça. C'est pas... C'est j'adorerais, je suis très copain avec lui, mais j'adorerais que ce soit à l'écran Vincent Cassel. Alors c'est compliqué hein, parce qu'on n'a pas du tout je suis pas le genre à jouer dans ces films, mais j'aimerais bien ça. Voilà. Non, mais vous pourriez faire un François Pignon. Exactement. Ça pourrait être drôle. Oui, t'as raison. Ouais. Ouais. Mais t'avais fait le placard au théâtre. J'avais fait le placard, ouais, j'avais fait Pignon au placard. T'as bien aimé ou pas? J'ai bien aimé, c'était une expérience intéressante, mais ça m'a quand même poussé à me dire que j'aimais le one man show. Et c'est pendant le placard que j'ai écrit mon spectacle qui s'appelle À partager et que je joue partout. Pourquoi ça t'a saoulé le côté? Ça m'a pas saoulé, mais ça, je me suis dit que j'avais une grande liberté dans le one man show. Bah là, j'étais mon propre patron et avec dans le placard j'avais Francis Weber derrière moi. Il paraît que dès que je disais un mot à côté de l'autre, je me faisais insulter. Il m'appelait de Los Angeles. Je crois que j'ai encore des messages de lui. Il n'était pas content parce que j'avais dit un A à la place d'un O. Ah mais c'est un psychopathe pour moi, à ce niveau-là, lui. Ouais, ouais. Voilà. Non mais je comprends parce que c'est super bien écrit. Mais pour moi, c'était stressant, mais c'est pas possible. Mais sérieux, je me sentais complètement enfermé. C'est vrai qu'il... Dis-moi si c'est vrai qu'il mettait sa sœur ou quelqu'un de sa famille des fois en coulisses. Tout à fait. Qui note quand il y a une porte qui reste ouverte, qui reste fermée, qui lui envoie un compte-rendu. Elle était là. Moi, j'avais quelques fous rires avec Laurent Gamelon et les mecs qui jouent avec nous, Zoé Félix, etc. J'avais quelques fous rires et il le savait automatiquement parce que sa sœur était là en espion. Et t'as pas le droit de rire? Non, t'as pas le droit de rire. Oh, c'est dingue. C'est ouf. Les gens ont le droit de rire, évidemment, et ils se marraient parce que c'était super bien écrit. Mais nous, on n'avait pas le droit de se marrer, non. Ils détestaient ça et je peux comprendre, c'est pas professionnel. Enfin, je veux dire... Ouais. Mais malgré tout, les gens aiment ça, mais ça fait un peu amateur, c'est vrai. Mais voilà, moi j'ai un naturel un peu farceur, je dirais. Donc tous les soirs, je rajoutais des petites conneries. Non, interdit. Voilà, interdit. Et donc on se marrait et ça lui plaisait pas. Oh putain. Voilà. Restez avec nous dans un instant, le public, une PS4 à gagner. Pour l'un d'entre vous ou l'une d'entre vous. Dans un instant, je vous expliquerai comment la gagner. Vous n'aurez que quelques secondes pour la voir. Va falloir être vif. Ceux qui n'en auront pas envie, vous pourrez rester assis. Hein. Faut dire non, ça va, j'ai ce qu'il faut à la maison. Si vous en voulez une, il faudra être très bon, rendez-vous dans deux minutes. Qu'est-ce qu'elle a de particulier, la PS4? Elle est géniale, c'est celle-là qui vient après la 3. D'accord. Particularité. Rien du tout. Amenez-lui les glaçons. Koé, 19h-22h. Ce soir, c'est la fête de la musique. Et tout à l'heure, nous aurons Souffle. Tu connais ça? Tu connais ou pas, Eli? Franchement, non. Je connais pas. On m'a dit que c'était ça, les paroles. Por favor, mi amor. Tu connais pas le Souffle? Si je te dis Black M, tu connais? Ah oui, ça oui. T'es sûr? Je vois un doute dans ton regard. Ouais, il y a un petit doute parce que... Ça. Je pense que... Pas celle-là la plus connue. Mais une autre? Moi, je connais la plus connue. C'est quoi? C'était Madame Pauchot. C'était celle-là. Il y aura Bob Sinclair tout à l'heure. Bob Sinclair. Sur ma route. Ouais. Mais je sais pas sur ma route. Qu'est-ce que t'écoutes? Oh, ça va. Des trucs de jeunes. Tango, tout ce qui est... Ah ouais. Non, mais j'écoute du jazz, j'écoute de la musique classique. Enfin, c'est pas vraiment... Ah ouais, voilà, quoi. Ah ouais. Bah, sur l'énergie, t'es mal barré. Non, là, non. J'ai jeté un froid, là. Non, ça va. De temps en temps, vous passez du Wagner. Bien sûr, évidemment. Tout le temps, DJ Wagner. Le 13 juillet sort L'Âge de Glace, avec, entre autres, Elise Boone qui joue aussi. D'aller voir le film, surtout. Mais maintenant, c'est une bonne nouvelle. Je vais offrir, écoute-moi bien, à une personne du public. C'est cadeau, c'est comme ça, ça fait plaisir. Ouais. Je vais vous offrir une PS4. Pour gagner cette PS4, Scratch, puisque ça démarre comme ça, Scratch, oui. Merdouille en cherchant son gland, ouais. J'ai caché, écoutez-moi bien le public, dans le studio, j'ai caché un gland. Ah, il est mieux, il est plus gros. J'ai caché un gros gland. Voilà. Mais un gland. Un gros gland. Là, dans le studio. Alors, là, dans le studio, c'est pas toi qui... Jouer, non, tu joues pas. Ah, si tu joues. Alors, écoutez-moi bien. Une PS4. Quand je vais vous dire go, vous allez pouvoir vous lever. Vous allez pouvoir faire le tour du studio. La seule chose, c'est que, je vous le dis, ça sert à rien de démonter le faux plafond ni le parquet. Ouais. C'est ni dans le faux plafond, ni dans le parquet. Nous ne bougeons pas. C'est là que ça se passe. Et vous... Ellie cherche déjà. Alors, je vous conseille d'aller assez vite. On y va. Ceux qui veulent, cherchent. On y va, c'est parti. Allez. Doucement, on y va tranquille. Oh là là, on sait où il est, nous. On dit c'est chaud ou pas.
Allez, vous avez accès partout. Lâchez mon caleçon, s'il vous plaît. Je sais même pas où aller. Il est où, Ellie? Ah, Ellie, il est parti derrière le... Il y a qui cherche dans la poubelle. Voilà, donc alors on y va, on regarde. Sur la table et tout, c'est marrant. On est assez tinglant, hein, ne cherchez pas autre chose, ça c'est ma bite, merci jeune homme. J'allais dire ça. Voilà, on continue, regardez pas au même endroit. Sous la table, oui, allez. Voilà, Ellie cherche également de son côté. Mais je la donne après. Il me pousse, Voilà. Ah ouais, fouiller les poubelles, tout, hein. Ouais, mais là, c'est effectivement... Les gens sont au taquet. Ils vont tout retourner. Personne l'a trouvé pour l'instant. C'est pas dans ma casquette, hein. Je vais prendre ma casquette, j'ai aucune confiance en vous. Ni dans ma barre. Faites pas les poches. Tout le monde regarde, Non, personne n'a été sous la table. Ça vient même les petits stagiaires d'observation qui sont avec nous. Il y en a qui ont sous la table. Je rappelle qu'il y a une PS4 à gagner quand même pour celui qui me trouve le gland. Voilà, peur, c'est très bien caché. Est-ce que t'as vu comme d'un seul coup ils en ont plus rien à foutre ni de l'invité ni de nous. Il y a un mec qui m'est passé dessus carrément. Ça va, pousse-toi, je regarde. Alors je trouve, vous êtes. Alors il y en a qui commencent à se rasseoir. Qui est, chaud et qui est froid? Je peux pas le dire. Vous êtes un peu froid à gauche. Non mais sérieux. Il y a le sosie de Martin là, le DJ là. Comment il s'appelle? Martin Garrix. Tu vois que toi aussi tu connais rien en musique de jeunes. Il y a pas que moi. Donc vous, ça se réchauffe un peu côté guéguette. Ça se réchauffe un peu côté guéguette. Ah non. Ah ouais, non. Dis pas ça, vous me sautez dessus. Ça a changé de... Ah bah c'est plus côté guéguette. Ça c'est mon sac. Ah bah je sais pas où c'est. Arrêtez. Ah si. Ça se réchauffe un peu. Tu fais un selfie. C'est ça. Ça se réchauffe un peu. Pas côté guéguette, de l'autre côté. Le gland. Ah, de l'autre côté. De l'autre côté. Ah oui, on dirait Martin Garrix, de ouf. Ça se réchauffe un peu côté Julie, j'ai envie de dire. Oulala, les gars. Allez les mecs, on la plotte. Côté chez Julie. J'ai envie de dire côté Julie et peut-être sur Julie. Palpez-la. Allez-y, palpez-la. Allez-y, palpez-la. Vas-y, palpez-la. Vas-y, palpez-la. Tu l'as trouvé? Après son selfie. Mais tu l'as eu où? Dans sa fesse, je l'ai vu. Dans les fesses de... C'est là? Ah oui, c'était. Quel est ton prénom, mademoiselle? C'est Mélissa. Mélissa, PS4 pour Mélissa. Voilà, c'est réglé. Je lui ai porté bonheur parce qu'on a fait un selfie tous les deux. Énorme, elle fait un selfie en mode j'en ai rien à branler, puis d'un seul coup elle fait tiens, en fait j'ai trouvé le gland. Et hein. Au moins tu vois, il était là dans ma poche. Bravo Mélissa, il était dans les fesses, il était caché derrière. Monsieur Semoun, je vous souhaite un bel été, je vous souhaite merci une belle sortie, je vous souhaite que du bonheur. Cher, le merci, spectacle encore partout. Il est partout, il sera au Casino de Paris deux soirs en novembre et deux soirs en décembre. Bravo et monsieur. Et sinon dans toute la France, demain je suis à Londres, après-demain je suis à Londres. Voilà. Non, tu vas jouer là-bas. Balade. Ouais, ouais. Ah, tu vas kiffer communauté française et tout. Voilà, pas en anglais. Hein? Non, pas en anglais, sinon personne. Tu vas kiffer à Londres. Faites beaucoup de bruit pour Ellie Semoun qui est avec nous. Ne bougez pas, plaquez tout à l'heure. Merci beaucoup. Ciao Ellie. Retrouvez tous les podcasts de Koé sur énergie.fr et koé.fr et les meilleurs de l'émission sur la web radio Énergie Koé.